bwanga jato ye 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 ya la bwanga pungu ni kwa usari mambo teke fuata nele ya ye ya ya anga ye ye ya ya esio tato noe aya ya de son état. Les services préféreront le faire entrer par derrière, évitant l'entrée principale. Mais autour de lui, tout le monde n'a pas ce même état d'esprit. Face à cette injustice, la salle reste crispée. Des moments d'intenses émotions. Lance de choc à ses couilles, plus d'âme. Le chemin de la croix. Tabassé, torturé, condamné. Le président du MLP garde le moral. Une condamnation qui souffre d'un déficit d'éléments d'épreuve à l'appui de ses conclusions. De la même manière qu'il est arrivé sur une chaise roulante par ambulance, ce sera de la même manière qu'il rentrera à l'hôpital. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Ici à cette barrière, on les a détournés. Regardez là où se trouve la résidence du général Mbilizi. Deux parcelles. Monsieur le Président, devant la résidence des généraux, qui ne les sait pas, parce que nous vivons au Congo et à Kinshasa, le général doit être protégé, le général doit être sécurisé dans une grande avenue. C'est une grande avenue. Deux parcelles après qu'on a érigé une barrière par la milice de Franck Diongo et les éléments de la garde républicaine, du renseignement, de l'artillerie, n'ont pas pu crier pour que les militaires du général Mbilizi viennent à leur rescousse. Les éléments du général Mawete viennent à leur rescousse. Monsieur le Président, c'est invraisemblable. Qui sont ces victimes, Monsieur le Président? Qui sont ces victimes? Sont-ils réellement des victimes? Ou nous sommes dans la théorie de la victimisation? Ils se sont fait passer pour des victimes. Au fait d'accomplir un but, l'élimination physique de l'honorable Franck Diongo. Dieu aidant, ils n'ont pas pu atteindre ce qu'ils pensaient faire en cette date du 19 décembre. Monsieur le Président, ils ont soutenu que l'honorable Franck Diongo avait une milice. À cette audience-là, vous leur avez rappelé à l'ordre pour leur dire que les 15 prévenus ici présents ne sont pas poursuivis pour ce que vous dites, mais ils sont poursuivis pour coups et blessures et enlèvements. Monsieur le Président, avec votre permission, voilà les 3 victimes à la date du 23 décembre à la Cour suprême de justice. Ce n'est pas un secret des polichinelles, Monsieur le Président. Les images sont passées sur toutes les chaînes de la République et sur les chaînes étrangères.
Les trois Moukadi est là. Ilunga est là, monsieur le président. Monsieur le président, je peux voir les photos qu'ils ont posées? Je vais faire usage de leurs propres photos, monsieur le président. Monsieur le président, nous sommes le 23. 4 jours après l'arrestation de Franck Diongo, pendant le procès de Franck Diongo, voici les trois victimes. Je compare cette photo 3 jours après à Moukadi. Regardez la photo. C'est une pièce. Regardez Moukadi le 23 décembre à la Cour suprême de justice où il s'est présenté comme renseignant et regardez cette photo. Cette photo, on est, monsieur le président, regardez la pièce qu'on a versée. Alando, comme là devant, qu'est-ce qui est marqué? C'est à quelle date? Cette photo a été prise quand, où et comment? Monsieur le président, c'est une pièce à rejeter. Deuxièmement, mettez-moi le major Ilunga. Le major Ilunga, le 23 décembre, il n'y a rien à la main. Bien habillé, rien du tout, monsieur le président. Bien habillé le monsieur ici. Et cette photo non datée, nous ne savons pas comment il a été pris. Regardez, le major Ilunga est là. À côté de lui, c'est lui qui, on vous montre avec les yeux comment rougis, à peine elle s'ouvre, avec une pluie à la tête. Regardez-lui le 23 décembre à la Cour suprême de justice. Attends, quelle contrariété, monsieur le président. 3 jours après la commission des faits, regardez dans quel état il est. Non bandé, les yeux grandement ouverts, assis calmement et en bonne santé. Mais ce sont des photos qu'on amène au tribunal. Monsieur le Président, vous allez carrément et simplement écarter ces photos parce qu'on ne peut pas continuer à vous mentir. J'ai dit mentez, il en restera toujours. Colonel Kanyama à l'époque, le lot général, Koya a récupéré le criminel Wana. Colonel Kanyama à l'époque, le lot général, Koya a récupéré le criminel Wana. Namboka, honorable Franck Diongo, président ya MLP, azalaki pour la deuxième fois en audience publique, yaba criminel Oyo, babo maki batouane passé. A terrorisé les quartiers pendant longtemps et je me rappelle que les cas les plus flagrants et sur lesquels il est jugé se sont déroulés au mois de décembre. Vous savez, nous sommes dans un combat permanent pour éradiquer ce fléau que le banditisme mermait. Et la justice a un grand rôle à jouer là-dedans. Et ma présence ici, c'est soutenir l'action de la justice militaire et l'encourager à poursuivre de telles actions pour faire peur à ces criminels et qu'ils reculent, mais aussi pour rassurer l'opinion. Et l'opinion doit savoir que le gouvernement est là pour la sécurité. C'est très important et je suis heureux que l'honorable Franck Diongo soit présent et qu'il soit pratiquement à la base de ce qui se passe aujourd'hui. C'est important. Et là, nous devons agir en front. Le front républicain doit être fort pour combattre tous ces fléaux. C'est la criminalité ici, c'est l'instabilité dans certains espaces de la République. Et là, nous devrions agir à l'unisson et regarder tous dans la même direction. Monsieur de